Bonjour, je suis Béatrice de Montera et je viens vous présenter en fait mon cours de cette année, Éthique et construction de l'individu, que je vais donner à l'UNIVA. Ça sera un cours en distanciel, donc asynchrone, vous pourrez le suivre par la suite, il sera enregistré, vous pourrez le suivre à votre guise, à votre rythme. Donc ce cours parle de l'éthique et de la construction de l'individu. L'individu biologique, il y a une hypothèse qui dit qu'il se construit. Il se construit tout au long de sa vie. Et les questions qu'on va se poser, c'est à partir de quand on devient un individu, à partir de quand, du coup, on peut mettre en place la capacité éthique à se poser des questions et à résoudre des problèmes. Est-ce que ça va commencer dès la naissance? Est-ce qu'on est un individu en cours de construction dans le ventre de notre mère? Sans doute. Est-ce que cette construction va aller jusqu'à notre pensée? Est-ce que notre pensée va s'individuer tout au cours de notre vie? Et puis, bien sûr, la question de la fin, c'est jusqu'où reste-t-on finalement un individu qui se construit? Est-ce que dans les ultimes étapes de la vie, nous restons aussi un individu qui a encore un parcours singulier à vivre? Et dans quelle mesure doit-on mettre justement en place tout ce qu'il faut pour permettre ce parcours et cette construction jusqu'à la fin? C'est pour ça qu'on va se demander s'il faut vraiment parler d'individu. Et peut-être qu'il s'agirait de proposer un autre mot. Et je vous proposerai la notion d'individuation. La notion d'individuation, c'est une notion qui en fait a été développée par Gilbert Simondon et qui peut s'appliquer en réalité à tout le vivant. Je vous proposais de faire un parcours, une analogie entre le cristal qui se développe dans certaines conditions de température et de pression. On va dire avec Gilbert Simondon que finalement un cristal suit un parcours d'individuation, de construction d'un individu minéral. On va bien sûr pouvoir faire l'analogie du bébé qui suit un parcours d'individuation. L'individu adulte lui-même, il n'est pas statique, il est dynamique, il change finalement en permanence, il y a une sorte d'évolution au cours de la vie, individuation encore. Et donc, on va aussi exporter cette individuation jusqu'aux créations humaines, les ordinateurs par exemple. On dit que d'une certaine manière, ils ont une intelligence artificielle. Est-ce que oui ou non, cette intelligence artificielle, elle aussi, suit un parcours d'individuation? C'est-à-dire, est-ce qu'un ordinateur, à un moment donné, va devenir un individu singulier, artificiel certes, mais un individu singulier? Avec toutes ces analogies, ce que je vous propose aussi, c'est de mettre finalement une délimitation des moments où on pourra développer une pensée éthique. Certes, on dirait qu'avec l'individuation, énormément d'entités de notre environnement vont pouvoir avoir un parcours d'individuation, mais la question qu'on se posera, c'est que toutes ces entités, en revanche, ne pourront pas développer une éthique.